Salut tout le monde, Mathieu pour Android MT, on est toujours en direct de Berlin et on vient de quitter la conférence de Lenovo et qui dit maintenant Lenovo dit également Motorola. Donc j'ai entre les mains la nouvelle Moto 360. Alors la nouvelle Moto 360, elle se décrit en plusieurs modèles. J'ai ici le modèle que l'on connaît déjà plutôt bien avec l'écran de 46 mm de diamètre et c'est exactement presque la même version que la première moto 360 avec le bracelet 22 mm. Les seuls petits changements sont au niveau du bouton qui est légèrement remonté plus haut, un peu comme sur la Huawei Watch, et le bracelet au niveau pour la personnalisation qui devient beaucoup plus simple. On avait déjà personnalisé notre première moto 360 que je tiens ici entre les mains. On voit les différences, pas beaucoup de changements en termes d'épaisseur, hein, ça bouge pas vraiment. Il faudra aller voir plutôt du côté du modèle 42 mm si vous voulez un écran beaucoup plus petit. Il existe deux possibilités avec un bracelet en 20 mm pour les hommes et 16 mm pour les femmes. Je tiens ici cette fameuse version pour femmes en version or et c'est vrai que l'écran est un peu plus petit, les poignets des femmes apprécieront, mais sinon c'est à peu près tout au niveau des nouveautés, pas de grands changements, donc les fiches techniques restent pareilles. Je pense que la véritable nouveauté se trouve sur la Moto 360 modèle sport que l'on n'a pas pu croiser et je vous donne rendez-vous sur l'article complet pour tout savoir sur ces nouvelles smartwatches de Motorola.